Voici la séquence sur le verbe. Séquence V7. Et nous allons commencer avec un problème de recherche. Nous avons joué au Scrabble. Peux-tu m'aider à retrouver le pronom personnel sujet de chaque verbe conjugué au futur? Voici un plateau de jeu avec des plaquettes jaunes portant une lettre. Ces plaquettes jaunes forment des mots, des verbes conjugués au futur. Observe-les pour compléter la feuille qui t'a été remise en classe. Voici les verbes qui ont été mis dans un tableau. Ce tableau, je te l'ai donné en classe jeudi dernier. Dans un premier temps, pour chaque verbe, tu dois écrire dans la première colonne le pronom personnel qui convient pour une conjugaison au futur. La première colonne, c'est celle-ci. Mets la vidéo en pause, fais l'exercice, puis relance la vidéo pour la correction. Voici la correction. Avec « ira », le pronom personnel est « il » ou « elle », troisième personne du singulier. Avec « joueront », c'est « il » ou « elle », troisième personne du pluriel. Avec « noira », c'est « il » ou « elle », troisième personne du singulier. « Tordré », le pronom est « vous », deuxième personne du pluriel. Essuiera, le pronom qui convient est tu, deuxième personne du singulier. Avec battre, le pronom est vous, deuxième personne du pluriel. Obéira, le pronom est tu, deuxième personne du singulier. Terron, le pronom est nous, première personne du pluriel. Rompra, le pronom peut être « il » ou « elle », troisième personne du singulier. Avec « aura », le pronom est le même, « il » ou « elle », troisième personne du singulier. Au futur, les terminaisons sont régulières. Pour tous les verbes, elles sont « ai »,« as »,« a »,« ons »,« ez »,« ont ». Et pour chaque verbe et pour chaque personne, la terminaison est précédée de la lettre R. RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Tu vas poursuivre ton travail en écrivant dans la deuxième colonne l'infinitif du verbe, c'est-à-dire la forme qu'il prend quand il est écrit dans le dictionnaire. Mets la vidéo en pause pour faire l'exercice, puis relance la vidéo pour la correction. Voici la correction. Il ou elle ira, c'est le verbe aller. Il ou elle joueront, c'est le verbe jouer. Il ou elle noiera, c'est le verbe noyer. Vous tordrez, c'est le verbe tordre. Tu essuieras, c'est le verbe essuyer. Vous battrez, c'est le verbe battre. Tu obéiras, c'est le verbe obéir. Nous tairons, c'est le verbe taire. Il ou elle rompra, c'est le verbe rompre. Il ou elle aura, c'est le verbe avoir. La conjugaison des verbes en ER au futur, comme chanter, plonger, placer. Il suffit juste d'ajouter la terminaison à la fin de l'infinitif. On garde l'infinitif, on ajoute la terminaison. Ça donne « je chanterai »,« je plongerai », »,« je placerai » ou bien « vous chanterez », »,« vous plongerez », vous placerez. Attention cependant au verbe en YER. Le Y se transforme en I puisqu'il précède un E muet. Noyer,
Essuyer, cela donne « nous noierons ». Le Y a été remplacé par un I. « Nous essuierons ». Le Y a été remplacé par un I. Attention cependant aux verbes en AYER qui ont deux conjugaisons autorisées. On peut écrire et on peut dire « je payerai » ou bien « je paierai ». Beaucoup de verbes en IR se forment de la même façon que les verbes en ER. Des verbes comme finir, fleurir, grandir. Il suffit d'ajouter la terminaison à la fin de l'infinitif. Cela peut donner je finirai, nous fleurirons, elles grandiront. Attention au verbe cueillir qui se termine par IR, mais il se conjugue je cueillerai, tu cueilleras, il cueillera, nous cueillerons, vous cueillerez, ils cueilleront. Le I est transformé en E. Beaucoup de verbes changent complètement de radical au futur. Il faut donc les apprendre par cœur. Heureusement, leur terminaison reste régulière. Le verbe aller donne j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Le verbe être donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le verbe avoir j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le verbe voir je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Le verbe faire je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Le verbe vouloir je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Et il y en a beaucoup ainsi. Pour revoir les choses d'une autre façon, tu pourras regarder la capsule des canopées qui a été postée sur Benelux School et sur le site de la classe. Voici maintenant le test. Tu dois, pour ce test, conjuguer les verbes entre parenthèses au futur. Un jour, je être un explorateur célèbre. Vous explorer des forêts mystérieuses. Nous franchir des fleuves en pirogue. Il apercevoir des espèces animales inconnues. Savoir-tu vivre dans la jungle? Prends le temps de faire convenablement ce test. Puis ramène-le en classe, nous le corrigerons mardi prochain. Pour jeudi prochain, apprends le futur des verbes suivants. Le verbe entrer, parler, offrir. Tu trouveras la conjugaison, page 27 du porte-vue. Et pour vendredi, apprends le futur des verbes suivants. Ouvrir, cueillir et finir, que tu trouveras également, page 27 du porte-vue.